Bonjour à tous, je vous reviens dans une vidéo pour vous présenter les produits que j'ai achetés pendant les promos beauté Leclerc. J'ai pas acheté grand chose cette année parce que j'ai déjà beaucoup de stock. Je suis désolée, ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait très chaud et une ambulance vient de passer. Voilà, donc j'ai tout mis dans un petit sac. Je vais pas vous donner les prix comme ça, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais de toute façon, il y a eu tellement de vidéos sur le sujet que je pense que vous connaissez à peu près les prix. Donc j'ai pris un lot de chez Garnier, de l'eau micellaire pour peau et yeux délicats en biphasé, comme ceci. Voilà, donc c'est un lot de deux, je vais en donner une à ma fille. On avait acheté l'année dernière la même, mais en jaune. Excusez-moi pour le bruit. Et on a vraiment beaucoup aimé, donc on a voulu tester la bleue. J'ai pris donc une crème lavante pour les mains de chez Dove, ça c'était dans les 89 €, me semble-t-il. C'est vraiment pas cher, donc l'original. Et j'ai pris donc la même chose, mais vanille noix de macadamia, me semble-t-il, non, de karité, pardon. Voilà, donc c'est toujours très bien pour se laver les mains. J'ai voulu tester le douche soin nutrition de chez Lactovite. On dirait une petite bouteille de lait comme ça. C'est un 250 ml. C'est pour les peaux très sèches et déshydratées. Donc c'est sans parabène et on nous promet une hydratation longue durée. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles. J'ai repris deux shampoings secs de la marque Baptiste. Donc les deux derniers sortis. Le Golden Rose que j'ai déjà testé et que j'adore. Et le Nude que ma fille a testé. L'odeur est plutôt sympathique, assez discrète. Donc voilà, en tout cas, ils fonctionnent tous très bien. Il n'y a plus grand chose. Comme je vous avais dit, c'est un petit haul. Donc vous aviez les mascaras de la marque Rimmel. Vous en aviez un acheté, un offert. Et ça mettait donc les deux à 5 € et quelques. Donc j'ai pris le Scandalize Reloaded et le Scandalize Reloaded aussi, mais c'est extrême black celui-là, et celui-là est noir. Voilà. Donc un pour ma fille, un à mettre dans la réserve. Et j'ai voulu tester aussi donc le nouveau dentifrice Signal à la noix de coco, comme ceci. Donc celui-ci c'est plutôt pour la blancheur. Bon, après moi j'ai l'émail des dents qui est très jaune depuis toujours. Ça changera rien, ça c'est leur couleur naturelle malheureusement, mais c'est plus pour le goût coco en fait que j'avais envie de goûter, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc on testera ça aussi, je vous en dirai des nouvelles dans les produits terminés. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, et si vous me suivez, vous l'avez vu à la fin de la dernière vidéo postée sur ma chaîne, je vous donne des nouvelles de ma santé. Donc là, dans les deux dernières vidéos, vous avez pu voir que j'avais un pansement ici. Et donc, certains abonnés m'ont dit « Waouh, le pansement est gros, ça fait un peu peur, etc. » Donc, je voulais vous rassurer, le pansement était gros, mais c'était pas du tout monstrueux ce qu'il y avait en dessous. Voilà, donc en fait, j'ai passé une mammographie de contrôle début mai. Et suite à cette mammographie, le médecin a souhaité que je fasse une biopsie mammaire, donc c'est-à-dire un prélèvement à l'intérieur du sein. Et suite à ce prélèvement, en fait, on vous met un pansement compressif pour éviter les hématomes. Et donc, c'est pour ça que j'avais un gros pansement, mais en fait, la cicatrice est minime, hein. Par contre, malheureusement pour moi, les résultats de la biopsie nous ont dit que malheureusement il y a ce qu'on appelle un carcinome, donc c'est un petit cancer au niveau du sein, et je dois me faire opérer le 9 juillet. Donc j'ai assez hésité à vous le dire, et puis je me suis dit après tout, voilà, c'est ma vie, c'est ma santé, moi ça me fait du bien de vous en parler. Donc voilà, je vous informe, comme je vous l'avais promis dans les dernières vidéos, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Donc je vous informe, donc je dois me faire opérer comme je vous l'ai dit le 9 juillet. Apparemment ce ne sera pas non plus très méchant, j'aurai des rayons à faire par la suite, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce qui va se passer.
Alors bien sûr, il y a des jours où j'ai moins le moral que d'autres. Donc là aujourd'hui, ça va plutôt bien. Donc j'en profite pour vous filmer quelques vidéos. Puisque là, ces derniers temps, c'est vrai que j'étais pas présente du tout. Voilà, donc là, je vais filmer quelques vidéos, vous mettre quelques vidéos en ligne pour les prochains jours. Et puis, je ferai d'autres vidéos aussi à vous poster pour le moment où je vais être tout juste opérée. Je pense que je ne pourrai pas trop filmer dans les premiers temps. Comme ça, vous ne m'oublierez pas. Et puis, je vous donnerai des nouvelles par la suite. Je vous expliquerai un peu plus les traitements que j'aurai à subir, etc. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment se passe justement une biopsie mammaire, puisqu'a priori, on sait tous ce que c'est, mais on ne sait pas exactement comment ça se déroule. Voilà, si vous êtes intéressé, dites-moi-le en commentaire. Et puis, s'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, je vous ferai une vidéo vraiment sur le sujet. Là, c'était juste pour vous tenir informé. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Et puis, je trouve que ben, c'est normal, pour moi en tout cas. Après, s'il y a des personnes qui pensent que c'est trop privé, que je ne devrais pas en parler, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite avec sa propre vie privée. Voilà. Ma vidéo sur les promos Beauté Leclerc est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!